Bonjour à tous, c'est Lucas pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment avoir Ascienta. Pour ceux qui ne connaissent pas Ascienta, c'est un serveur Minecraft, mais en mieux. Vous pouvez vous connecter avec vos amis sans vous créer un serveur Minecraft, vous avez juste à le télécharger. Et en plus, c'est gratuit. Donc voilà. Donc, nous allons aller sur Google Chrome ou sur votre moteur de recherche que vous voulez. Vous allez taper Ascienta. Ou si vous voulez, je vous mettrai le lien de la description, le lien d'Ascienta dans la description de la vidéo. Donc voilà, donc vous cliquez sur Ascienta serveur Minecraft. Donc voilà. Donc dès que vous cliquez sur la page, vous arrivez sur ça. Vous allez faire télécharger le launcher. Donc si vous voulez, si vous avez Windows, vous téléchargez Windows ou la version Mac. Voilà, comme vous voulez. Si vous avez Windows, vous téléchargez Windows. Si vous avez, voilà. Si vous avez mal, vous pouvez télécharger la version pour Mac. Moi, j'ai déjà téléchargé, donc je vais vous montrer. Ouvrir. Donc, vous inquiétez pas si mes 10 minutes à s'ouvrir, c'est parce que... Il fait des mises à jour, mais ce sera que pour la première fois. Vous allez faire s'inscrire, donc moi, je vais taper un pseudo au hasard, taper n'importe quoi. Voilà. Continuer. Voilà, donc vous allez arriver sur ça, donc le temps qui s'ouvre. Donc vous pourrez aller sur des maps en téléchargement. Ça je le ferai dans une prochaine vidéo, comment mettre un skin aussi et mettre un pack de textures. Donc voilà, donc là si vous voulez aller en solo ou en multi, là c'est un serveur local. Donc moi je vais aller sur Funcraft, c'est pour me connecter. Donc pour vous connecter avec vos amis, vous devrez faire register. Voilà, et votre mot de passe que vous voulez. Bon, je m'applique. Comme ça. Et mettez pas trop de temps à vous connecter ou sinon vous serez déconnecté. Je m'appelle Popo 51. Donc dès que vous avez fait register, la prochaine fois vous devrez faire login tout le temps pour vous connecter, mais pas register. Register c'était juste pour s'inscrire. Donc slash login et le mot de passe. Et voilà. Entrer. Donc voilà, donc vous arrivez sur une page comme ça. Voilà, je vais vous montrer en grand. Voilà, sur une page comme ça. Donc si vous voulez, vous pouvez aller sur Passivity Craft. Là, ça va être marqué ce que vous faites. Là, en Free Build, là, c'est pour vous connecter avec vos amis pour construire des zones. Voilà. Donc vous allez avancer jusqu'au téléporteur et je vais vous montrer comment créer une zone. Donc voilà. Donc vous arrivez sur le spoon. Voilà, donc c'est le truc. Et pour faire une zone, vous allez faire slash. Faut tout le temps faire slash. Slash FB char. Voilà. Donc là, il va vous donner dans une zone que vous voulez. Et pour l'obtenir, vous allez faire FB. Donc dès que vous êtes sur une zone libre, vous allez faire une barre, FB claim. Et voilà. Ah, excusez-moi. On va recommencer. Voilà, donc là, vous allez faire FB. Et voilà, vous avez une nouvelle zone à vous. Donc si n'oubliez pas de la retenir. Et voilà, donc maintenant vous pouvez construire ce que vous voulez. Par contre, vous n'aurez pas le droit à la redstone, ou sinon il faut avoir des points vides pour s'acheter un kit. Pour avoir un kit, il faut voter tous les jours. C'est ce que je fais. Moi, j'ai déjà un kit redstone. Voilà. Donc vous votez et puis à force vous allez avoir des points VIP et vous pourrez acheter des choses. Donc là vous construisez ce que vous voulez. Donc moi je vais construire une petite maison pour vous montrer. Donc vous prenez le bloc que vous voulez, mais ça vous n'avez pas le droit. Il y a juste ça que vous n'avez pas le droit. Et l'éponge. Voilà. Donc je vais construire. Voilà. Donc c'est E pour faire l'inventaire. Et voilà. Donc vous placez tac, tac, tac. Vous faites ce que vous voulez. Et espace pour sauter. Oh là. Là vous avez une petite boussole qui vous indique des choses.
Et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Et si vous aimez ma chaîne, vous pouvez mettre un petit pouce vert ou un petit commentaire. Ou si vous aimez vraiment bien, vous pouvez vous abonner. Allez.